internautes chéris de ImaraMedia.com. Je suis en très bonne compagnie, comme vous pouvez le constater, avec Olmaïta. Salut Imara. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? C'est cool. Nous sommes dans les locaux de Just Winner. On vous en dira un petit peu plus sur ce label à succès, en fait, qui suit de jeunes talents montants comme donc Olmaïta, qui va nous présenter aujourd'hui le titre événement du moment, Damelo. C'est ça? Voilà. Damelo, ben, mon nouveau single, et puis en featuring avec Roy. Donc c'est un son avec des sonorités caribéennes, dancehall, latino, voilà, un vrai mélange voilà. Cayenne. Exactement, en fait c'est voilà. Le mot qu'on a à l'esprit quand on entend ce morceau, parce que du coup, voilà, il y a différentes vibes, que ce soit urbaine ou dancefloor, qui se mélangent très bien, avec voilà, un très beau clip aussi. Un très beau clip qu'on peut découvrir sur les réseaux sociaux, sur voilà, internet, sur YouTube notamment. Sur YouTube, et puis voilà, qu'on a tourné dans les îles, voilà. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas Olmaïta, ça serait bien qu'on puisse poser une petite question comme ça concernant ta personne. Yes. Si tu pouvais avoir trois mots pour faire sexy précisément, si tu pouvais avoir trois mots qui te définiraient en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu dirais? Positif, yes. Conscient et énergique. Ok, positif, yes. Conscient, énergique. Yes. Bon, positif on peut comprendre, énergique aussi, pourquoi conscient? Conscient parce que, bah en fait, moi je suis quelqu'un de très moral en fait. C'est-à-dire, même à travers ma musique, j'aime bien apporter le côté dansant, délire, mais aussi on réfléchit. D'accord. Donc on s'amuse pas seulement, mais ouais. Sur ce que tu peux écrire. On s'amuse dans la bonne humeur, dans la bonne vibration, comme on dit. Ok, alors si là ça commence peut-être à vous rappeler quelque chose, puisque on commence un petit peu à avancer hein, avec Olmaïta, mais pour vous rafraîchir la mémoire, Olmaïta c'était aussi Danse avec moi. Ouais, Danse avec moi. Exactement. T'as fait aussi un super featuring avec Kimaï, tout le monde. Yes, yes. Tout le monde d'accord, c'est ça? Yes, tout le monde d'accord, voilà. Exactement. Aujourd'hui, là, tu fais un featuring avec Roy. Yes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette rencontre avec cet artiste? Bah écoute, Roy, c'est un artiste en fait, voilà, c'est un artiste qui était déjà connu dans le passé par certains titres. Et puis voilà. Plus dans le milieu latino. Plus, ouais, plus dans le milieu latino. Et puis voilà, je suis bien. Moi j'ai écouté, on a rencontré Roy, qui a un titre super et tout, et qui aime bien bosser avec toi. Donc voilà, donc, on s'est rencontrés en studio. Et puis voilà, donc on a écouté le son, et puis voilà. Ça s'est fait ça. Et puis on a été vraiment fiers de la réalisation parce que voilà. On a eu une bonne vibe en studio, quoi. Donc, voilà. C'était vraiment un beau partage, un beau moment en studio avec lui, quoi. Donc, voilà. Et ça a donné Damelo comme vous pouvez l'entendre. Alors bon, on l'a dit tout à l'heure, donc on est dans le caliente, dans le dancehall caliente. Est-ce que c'est pas difficile pour toi de mélanger comme ça les genres, de varier comme ça dans un seul morceau, d'offrir à ton public bah, différentes vibes? Est-ce que c'est pas difficile pour toi en tant qu'artiste de t'adapter comme ça? Bah écoute, c'est vrai que je suis un artiste à la base reggae dancehall. Yes. Je viens du milieu où il y a beaucoup de reggae, où c'est un peu plus roots. Mais bon, moi je suis un artiste en fait, je suis pas fermé. Je suis ouvert d'esprit, donc j'aime bien écouter de la musique, m'enrichir de tous les styles en fait. Donc pour moi c'est pas une barrière en fait de poser, de faire des mélanges en fait, de poser sur d'autres styles d'instru, mais toujours en gardant en fait mon côté dancehall en fait, mon style dancehall quoi. Donc voilà, donc c'est pas, pour moi ça pose pas de soucis quoi. Ok, c'est vrai qu'en général, quand on entend parler de la musique dancehall, ça a vraiment une image très rude. Voilà, c'est vrai. Qui peut même parfois être péjoratif parce qu'on pense tout de suite, bon, ok, ghetto, sound system, etc. Mais c'est grâce, en fait, j'ai envie de dire, c'est grâce à des labels comme Just Winner, des artistes comme toi, que cette musique, j'ai envie de dire, sort vraiment du lot, en fait. Et, et commence à se... on va dire, à ramasser un petit peu de strass et de paillettes un peu partout. Quoi. Voilà, c'est vrai, parce que, en fait, moi, Olmaïta, moi, je viens vraiment des sound systems, c'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé à chanter, c'était dans les concerts organisés dans la rue, donc voilà, moi, je viens vraiment de ce milieu-là, quoi. Donc aujourd'hui,
voilà, aujourd'hui c'est vraiment autre chose, donc voilà, c'est... T'as commencé avec Anteja Paliba ou... Anteja Paliba, voilà. Ouais, c'est comme ça quand t'as connu un peu. Voilà, Anteja Paliba qui, voilà, qui est un titre voilà, qui est en radio là-bas, qui a fait un buzz. Ouais, qui a bien cartonné, ouais, carrément. Donc voilà, donc, ça n'a rien à voir avec... Donc avec Jovem, c'est de la musique, donc c'est, je continue toujours dans le même, dans le même engouement, en fait. Donc voilà. Okay. Donc entre-temps, donc, tu as commencé voilà, comme ça aux Antilles, à cartonner avec ce titre. Et puis sur ta route, tu as croisé Just Winner, avec qui tu as décidé voilà, d'avancer au niveau de ton développement artistique. Comment ça se passe, comment ça s'est passé en fait cette rencontre avec le label, l'artiste et le label? Toute la vie, j'aime te voir dans la chaleur de la nuit. Quand tu bouges dans ma vie, ben, tout simplement, moi j'étais venu en vacances en 2009 en France. Et puis bon, voilà, j'avais un petit danse avec moi qui était déjà en rotation sur les réseaux sociaux, sur les sites, etc. Donc Just Winner, ils m'ont dit, bon voilà, on a écouté ton morceau danse avec moi, il nous plaît. Donc voilà, est-ce que ça te dit qu'on le reprenne, qu'on le travaille en France et tout. Donc voilà, donc, on a été en studio, on a enregistré le titre. Et puis voilà, il y a une version remix club. Donc voilà, c'est parti comme ça. Donc et du puis, coup, Just Winner, ils ont poussé le morceau. Ouais. Et ça a été un carton en fait en France. Et c'est comme ça que tu as enchaîné prestation sur prestation, voilà. Qu'il y a de la demande pour All My Tar, voilà. Que tu mets le feu comme ça sur scène. C'est voilà. Comme ça en fait. C'est parti de là. Ok, ben c'est cool. Donc, c'est, en fait, en réalité, beaucoup s'acharnent et veulent continuer à travailler en indépendant. Mais j'ai quand même l'impression qu'avec un label comme Just Winner, tu gardes ton identité et ton authenticité, sauf que ben, tu es peut-être mieux encadré. Donc, ça t'aide. Voilà, mieux encadré aussi, ça me permet de voir autre chose, de découvrir beaucoup de choses musicalement. Et puis, voilà, ben, je grandis aussi, ouais, ça évolue. Et moi, je vous invite à aller découvrir le clip d'Amino. Et puis, là, en ce moment, voilà, ça, pour moi, ça va être le son de l'hiver. Donc, voilà, donc, découvrez le clip, matez le clip, faites découvrir à vos amis, à la famille, etc. Et puis, partagez. Voilà, c'est de la good vibe. Voilà, c'est pas le mic assez. On m'a dit, bon, tu fais vite avec notre artiste parce qu'il a une séance de dédicace, etc. Ouais. Donc, je vais devoir te laisser. Y a pas de soucis. En tout cas, très bonne continuation à toi. Merci et beaucoup. Puis, bah, tu me feras une petite dédicace aussi, je peux quand même. Y a pas de soucis. Une petite dédicace pour Emma. C'est très bien. Merci. À bientôt. À très bientôt. Big up. Yeah.